Salut tout le monde, c'est L2O et on se retrouve aujourd'hui pour le let's play numéro 2 sur Destiny. Donc on va tout simplement continuer l'histoire, hein. Je suis en train de faire en fait les épisodes un par un, donc là j'ai pas arrêté la console depuis le premier let's play, enfin le gameplay découverte. J'ai pris, j'ai eu deux nouvelles missions, donc c'est aussi terre mais je me branle. Donc j'ai pris celle-ci parce que c'est histoire de niveau 3 et là c'est niveau 4, donc on va faire petit à petit. J'ai pris ça en difficile pour me faire plus d'expérience et que ce soit un peu plus fun aussi. Donc j'espère que ça va bien marcher. Aïe. Au départ, je me suis demandé si je vous le faisais ou pas, le let's play et compagnie. Certains rapports disent que les déchus du cosmodrome défendent fermement le vieux relais cosmique. Peut-être y a-t-il un de leurs chefs là-bas, ou qu'ils y gardent quelque chose de précieux. Le guide veut que les gardiens aillent y jeter un coup d'œil. Okidoki. Il va. Putain, il met du temps. On dirait un chargement, ce truc. Je pense que ça, c'est le chargement. Ils disent pas, tu sais, ils font pas juste un chargement là, quoi. Mais c'est une espèce de chargement, je pense. Bon. Le relais cosmique est de l'autre côté de la steppe. Et il est encerclé par les déchets. Bien. Dites-moi quand vous serez prêt. Vu que là on doit annoncer pas une map super grande. Il y a un mec à... En fait je crois que le truc rouge c'est pour dire qu'il y a des ennemis aux alentours. Il est pas mort. Oh, je l'ai niqué. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres ennemis. J'aime bien fouiller quand même. Sinon c'est pas intéressant. Planer, ça c'est cool. Mais oui, c'est la même map que tout à l'heure. On va faire ça. Pourquoi l'invisible ? Merci. Prends ta balle. Oh putain, le coup. Il faut exploser. Ce con. Là. Deux dans la tête sans rien y voir quoi. Je l'avais pas vu du coup. C'est dur de viser quand même. Enfin avec l'arme que j'ai c'est dur. Tiens, petite arme dans la tête. Vas-y. Toi, tu t'animes un peu. Maintenant, petit headshot. Contrôle un ennemi. Hop les dans la tronche. Donc, c'est ça que je voulais. C'est classe. C'était quoi ce bruit? Oh putain, oui, ça y est, là, tête maintenant. On
un peu à côté, mais bon, ça va compter. Ça a l'air cool. Je sens que je vais m'amuser avec cette capacité à la con. Et oui, il y a des trucs en hauteur quand même. Du coup, ça donne envie d'aller explorer. Je me demande s'il y a une charge pour ça. Je suis rentré. Il n'y a rien à choper. Ah, il est pas assez puissant pour monter en haut. Ah si, c'est juste qu'il faut bien s'en servir. Toujours pas d'ennemis apparemment. Faut le radar. Faut aller là-bas. Je vois rien d'important. Pas d'ennemis, pas de trucs à ramasser. Cet endroit devait être incroyable avant la chute. Des milliers d'humains qui embarquaient dans les vaisseaux coloniaux pour s'envoler vers des villes extraterrestres. Il n'y a plus que des déchus, désormais. C'est ça la vie. Sur la colline, le bâtiment avec le radar. C'est le relais cosmique. J'aime pas ça qu'il y ait 2-3 ennemis avec là. Une carotte mec qui nous a fait. Oh ! Oh le PD ! Les équipes d'extraction. Ah oui, c'est vrai que c'est pas la même arme. Oh putain, fait mal. Ça fait tellement mal. Autre déchu. Oh.
casse-toi, bougnoule de merde. Désolé. Où ça, d'autres déchus? Site d'extraction nettoyé 1 sur 3. Là-bas. Oh, le PD, j'en veux un, moi aussi. Pourquoi vous avez tous ça et pas moi? Ce truc. Les déchus vont nous tomber dessus. C'est quoi ce truc? Ils vont nous tomber dessus. C'est-à-dire... Manquer de temps. Putain. Je me suis fait exploser la gueule. Vite, cours. Nous avons presque tous battu. J'ai des chutes extra location. Où ça? C'est fini ou quoi? Je vais les suivre parce qu'ils ont l'air de réussir. Ce qui était transparent. Quand même, Star. Ça me fait de l'expérience. Bon allez, je vais aller faire la mission. Rendez-vous au relais cosmique, c'est tout là-haut. I believe I can fly. Putain, j'aimerais bien avoir une espèce de moto volante là. Flemme de faire le tour.
plaît. Du moins, je crois. Bon, toi tu vas te calmer tout de suite. Nous y sommes. C'était l'un des anciens postes du relais cosmique. Il servait de lien avec les colonies lunaires. Aïe, va se passer quelque chose. Une impasse. Les déchus ont scellé cette porte. Je vais l'ouvrir. Sentiment. Ça va péter. Reculé. C'est la ruche. J'ai plus. J'aime bien le type. C'est la ruche. Connard. Bon, maintenant je sais. Une impasse. Les déchus ont scellé cette porte. Je vais l'ouvrir. Mais vas-y, à toi l'honneur. J'attends que ça. Enfin. On va attendre qu'ils finissent. Et bon, on va pouvoir y aller. Mais apparemment, vous voyez, il y avait le niveau 25 juste à côté de moi il y a 2 secondes, ben là il y est plus. Qu'est-ce que c'est? Et oui, il y a un truc bleu qui est apparu d'un seul coup. J'ai un mauvais pressentiment. Sérieux? Pas de munitions quoi. Alors attends, on va l'avancer. Hop. Et... C'est celui-là que j'ai? Il est brisé le truc. Impossible. C'est la ruche. Il est toujours mieux. C'est bon, il n'y a plus de... Ah, là, je tire n'importe où. Ah oui, c'est l'arme que j'ai acheté tout à l'heure. Celle-là. Thank you.
C'est des morceaux d'œufs. Pas de d'œufs, hein, de quoi. On peut pas y aller. Pourquoi ça s'arrête pas? Explorer le... Oh merde, j'avais pas vu cette porte. La ruche n'est pas venue sur Terre depuis des siècles. Il doit y avoir une prêtresse dans les environs. J'avais pas vu que j'avais ça. Oh. Oh, le truc parfait. Oh bordel. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Ça fait pas assez mal, ça fait pas assez mal, tue-le, tue-le. Prêtresse est ici. Ah mais y a besoin de maintenir son souffle, il bouge pas le truc. Non ça. Est-ce qu'on peut faire des flashs? Ça c'est chaud. Ah ça a pas tiré. Pas de munitions déjà. Pas de munitions. Enculé. Ça y est, j'ai compris pour y parler quand il s'est prêtresse. Prêtresse est ici. Ils sont résistants. Balle. Ça fait pas que du bien. Je vais niquer
essayer d'avoir. Je vois pas bien avec tout ce qu'elle me balance. Oh là. Il y a plein de munitions là. Tiens dans la tête, tiens dans la tête, tiens dans la tête, 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 tête. Je suis coincé, je suis coincé, je suis coincé. Récupère ta vie, récupère ta vie. Oh là là, il me fait mal. Voilà. Oh la salope, qu'est-ce que tu fous là? Merde. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'elle fait mal? Allez, enlève tout bordel là. Là, ça y est. Maintenant on va pouvoir attaquer, sérieux. Oh mais il est revenu son truc. Ça sert à rien du tout. Je vais crever, c'est tout ce que je vais faire. Là, je vais enlever beaucoup de vie. Aïe aïe aïe. Plus de vie. Bien joué, Harlequin. Oh, il a encore ce truc là. Je prends des dégâts même en étant caché quoi. Là c'est bon. Merde, te cache pas. Voilà. La ruche n'est pas venue sur Terre depuis des siècles. Cette prêtresse vient de la Lune. Dire qu'on les pensait contenus là-haut, les ténèbres doivent être plus proches qu'on ne le pense. Hop, faire un petit peu plus de points.
Putain, il y avait du monde en haut là-bas. Hop. Et voilà, ça nous en fait un de plus. On va juste continuer, il doit y avoir une petite cinématique, ensuite je vous laisse. Ah, pas de cinématique. Bon, ben, je vais vous laisser sur ça, on va juste attendre, comme d'hab, aller voir le petit bonus que j'ai eu. Ouh, j'ai d'autres armes encore. La chire revolver. Le revolver nécessite de la finesse de la retenue. Le Duke MK10 est une arme stable, facile à manier. Ouais, mais alors, voilà la précision. Les deux se ressemblent là par contre. Sauf qu'il y en a un. Lui il est un, lui il est un. C'est le même nom. Sauf qu'il y en a un qui est plus puissant. Physique clair semi-automatique. Très apprécié des tireurs d'élite. C'est exactement le même. Je comprends pas pourquoi il y en a un qui a 26 et l'autre a 31. Enfin bref. Celui que j'utilisais c'était celui-là moi. Bon, je sais pas pourquoi je l'ai deux fois, je sais pas, je comprends pas. Prédicateur, c'est quoi ça déjà? Bah ça doit être le pompe. Et ça c'est mon espèce de... Ouais voilà, le truc qui est juste... Donc j'ai débloqué d'autres trucs, par contre j'avais vu... Je sais plus ce que c'est. Il n'y a pas de nouvel emblème. Hop, j'ai une nouvelle tenue. Je suis à combien là? Je suis à 22, donc on va prendre celle-là, 24. Voilà, c'est plus stylé déjà. Bracelet, j'en ai pas de botte, j'en ai toujours pas. Gant. 17, je suis à combien? Je suis à 18. Non. Ça, c'est à 13, ça, c'est 17. De nombreuses techniques de l'arcaniste sont canalisées à travers ses mains, c'est pourquoi ses gants sont tissés de façon complexe. Ok, mais la défense est toujours moins bonne. J'en ai pas d'autres. Donc voilà, c'est tout à part ça. Voilà, on va améliorer ça. Y a rien d'autre qu'on peut améliorer, hein, c'est vraiment que ça. Après, on pourra améliorer tout ce qui est nos capacités, là. Je vois. Genre lui, l'armure, il augmente beaucoup, quoi. Bon, on verra ça plus tard quand j'ai débloqué. Hein. Hop. Et il me reste plus qu'un niveau pour avoir celui-là. Ensuite, je sais pas ce qu'ils vont nous demander de débloquer. Si on va devoir continuer ça ou pas. On verra bien. Bon, bah allez, moi je vous laisse. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous l'avez aimé. Et ciao tout le monde.